La commune de Muttersol s'engage depuis plusieurs années dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour cela, nous nous sommes donné un objectif de territoire à énergie positive. Nous cherchons à produire autant d'énergie renouvelable que nous en consommons. Pour ça, la commune a commencé à faire des efforts sur ses bâtiments, en termes surtout d'efficacité énergétique, mais cela ne va pas être suffisant. C'est pour ça qu'un projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit sud de l'église protestante est à l'étude. Il va être confié à la Société citoyenne centrale villageoise d'Alsace centrale qui va le mettre en œuvre. La Société centrale villageoise d'Alsace centrale a été créée en 2019 par un groupe d'habitants qui voulaient s'engager ensemble pour la transition énergétique en Alsace. L'objectif étant d'investir collectivement dans des projets d'énergie renouvelable locaux, le tout avec une gouvernance citoyenne et une gestion par les membres fondateurs qui est bénévole. On a 3 projets d'installation solaire photovoltaïque en 2021. Dont un sur l'église de Muttersol, qui est particulièrement propice à la production d'électricité solaire. Ce projet nous permettra de montrer l'engagement des habitants et de la commune en faveur des énergies renouvelables. Moi, je trouve que c'est un très beau projet porté par les centrales villageoises de Centre-Alsace qui associe aussi la mairie et qui associe la paroisse protestante. Là, on a vraiment des citoyens qui se mettent ensemble et qui se disent voilà, on va passer des discours aux actes, on va faire quelque chose pour l'avenir de notre planète. Je le vois vraiment comme un point de départ pour une aventure.